Salut tout le monde, c'est Jérémy. Ça, c'est le Motorola Razr 40 Ultra. C'est le premier flip phone que j'ai l'occasion de tester. Et ce qui m'a fait sauter le pas avec celui-là et donner envie de l'essayer, c'est vraiment son écran externe qui prend toute la surface disponible, ce qui le rend réellement utilisable sans avoir à l'ouvrir tout le temps. Car finalement, si on doit constamment ouvrir le téléphone pour s'en servir, autant acheter un smartphone classique. Ici, c'est pas le cas et on peut ouvrir n'importe quelle application sur son écran externe et même jouer à des jeux vidéo. Alors, jusqu'à présent, la référence en termes de flip phone, les téléphones qui s'ouvrent au format clapet, c'est le Samsung Flip 4. Il a par contre un petit écran qui permet de lire les notifications ou de se voir pour se prendre en photo, mais c'est très petit et on est forcément obligé de l'ouvrir pour lire un mail, répondre, etc. Ce qui n'est pas idéal dans mon cas. Oppo a ensuite sorti le Oppo Find N2 Flip au début de l'année. J'avais eu l'occasion d'assister au lancement à Londres et ils ont augmenté la taille de l'écran pour avoir quelque chose de plus agréable à utiliser afin de voir plus d'informations et aussi pouvoir se filmer ou photographier avec le retour de l'écran plus facilement. Alors j'étais assez conquis en le découvrant sur place, mais en y regardant de plus près et en regardant quelques tests dessus, c'était mieux, mais pas non plus parfait car finalement sur ce plus grand écran, on peut simplement utiliser des widgets prédéfinis pour voir la météo, son calendrier, l'application photo, etc. Mais on peut pas vraiment utiliser toutes les applications qu'on veut et on reste limité. Et c'est là où ce Razr 40 Ultra apporte un vrai plus car l'écran fait maintenant toute la surface ou presque. C'est un écran de 3 pouces 6 avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz avec les deux modules photo dans le coin inférieur droit. Quelques widgets sont disponibles pour voir son calendrier, le temps ou encore avoir accès à des contacts rapidement, mais là où c'est le plus intéressant, c'est qu'on peut ouvrir pratiquement n'importe quelle application dessus. Alors certaines seront plus agréables que d'autres à utiliser de cette façon, mais dans les choses utiles, on peut lire ses emails entièrement depuis cet écran et les supprimer ou les mettre en lieu rapidement ou même y répondre, mais pas des plus pratiques car on ne voit qu'une seule ligne de texte à la fois. Pareil sur les différentes applications de messagerie, on peut lire une conversation, faire une réponse rapide facilement. On peut afficher Maps pour se diriger, afficher son wallet Google pour payer en son contact, lire les actualités Google, tout ça dans de bonnes conditions. Hein. C'est pas juste une façon détournée de faire ses actions, où on se force un petit peu à le faire sur l'écran externe pour dire que ça fonctionne, mais où c'est pas vraiment agréable. Ici, c'est agréable à utiliser dans ce format qui tient dans la main et on va repasser sur l'écran principal pour écrire du texte, afficher plus d'informations, prendre des appels, etc. Si certains autres constructeurs avaient finalement fait machine arrière sur des modèles compacts avec de petites tailles d'écran, ici ça peut totalement convenir à cet usage compact, mais en gardant l'écran principal à disposition. On peut aussi à l'inverse commencer sur l'écran déplié, par exemple sur Maps, faire sa recherche et choisir son itinéraire, puis refermer l'écran et continuer sur le petit quand on se dirige à pied, où on aura quelque chose de plus compact et de plus discret. On garde bien entendu les fonctions de retour vidéo qui sont bien pratiques sur ce type de smartphone et dont on reparlera dans la partie dédiée. Alors pour certains, avoir un flip phone, c'est l'occasion d'avoir un smartphone qui serait peut-être moins tentant d'utiliser car on ne voit pas l'écran s'allumer avec tout un tas de notifications qui au final nous amènent à partir faire autre chose une fois le téléphone en main. Ici, je dirais que c'est encore plus le cas car si je reçois un mail, je peux le lire rapidement et reposer mon téléphone si ça ne nécessite pas une réponse immédiate. Pareil pour une notification de réseaux sociaux, de YouTube ou autre, j'ai toute l'info d'un seul coup, j'ai pas besoin de le déplier pour vraiment tout lire et je peux continuer ce que je faisais. La seule chose que je lui reprocherais, c'est les reflets qui sont parfois importants en fonction de la lumière ambiante et qui poussent à augmenter la luminosité. Alors le téléphone a vraiment un effet premium, le châssis est en aluminium et plusieurs couleurs sont disponibles et fait en partenariat avec Pantone, le fabricant de couleurs. Dans mon cas, je suis parti sur la couleur Viva Magenta et je regrette pas mon choix, hein. Celle-ci a aussi la particularité d'avoir un dos en cuir végétal, comme ils disent. Quand la couleur noire est bleue, ils auront un dos en verre protégé par du Corning Gorilla Glass Victus, tout comme l'écran. Alors pour continuer de le protéger, le téléphone est directement fourni avec une coque de protection transparente qui se compose de deux parties et qui reprend la couleur du téléphone sur la partie la plus proche de la charnière. Alors c'est bien d'avoir ça en plus. Pour les images d'illustration, je les ai retirées la plupart du temps, mais en utilisation de tous les jours, je les garde en place. C'est moins joli que sans, mais on est quand même sur un téléphone qui coûte un certain prix et que j'aimerais conserver dans un très bon état. Pour la charnière en elle-même, elle a une certaine résistance qui permet de positionner l'écran dans différentes positions. On peut l'ouvrir à une main en passant son pouce dedans, mais c'est pas très facile, je trouve, et c'est plus agréable de le faire à deux mains, ou alors c'est que j'ai pas encore pris le coup de main. Une fois fermé, les deux bords se touchent complètement, ce qui évite d'avoir des poussières ou autres qui pourraient se glisser à l'intérieur quand il est dans la poche. Le téléphone est IP52, on peut l'utiliser sous la pluie, mais on fera attention à ne pas l'immerger dans l'eau, et la poussière ne devrait pas non plus entrer à l'intérieur, ou en tout cas pas au point de l'endommager. Sur le côté droit, on retrouve un haut-parleur, les boutons de volume et le bouton power qui héberge aussi le lecteur d'empreintes.
Sur le dessous, le port USB-C, un micro et un second haut-parleur, et sur le côté gauche, le tiroir-ci. Alors on a pas mal parlé de l'écran externe, mais l'écran interne n'est pas en reste pour autant. C'est un écran OLED de 6 pouces 9, une luminosité qui va jusqu'à 1400 nits avec une résolution de 2640 sur 1080, et il a même un taux de rafraîchissement de 165 Hz, donc niveau fluidité, on aura du mal à faire mieux. Il dispose aussi d'un capteur selfie dans un poinçon, et il dispose d'une protection d'écran préinstallée. Il est agréable à utiliser, on pourra personnaliser les couleurs aussi si on le souhaite et passer le taux de rafraîchissement à 60 Hz si on veut vraiment économiser de l'énergie. Le pli de l'écran est peu visible, on peut le voir en fonction de l'angle de vue mais on ne le sent pas non plus au toucher, donc rien à redire là-dessus et quand on est concentré sur le contenu on ne le voit vraiment pas en fait. Concernant la puissance du téléphone, il est équipé du Snapdragon 8 Gen 1 et de 8 Go de RAM en LPDDR5 et 256 Go de stockage en UFS 3.1. C'est pas la dernière version de ce processeur, mais tout est fluide, j'ai pas rencontré de ralentissement particulier. On pourra jouer à des jeux vidéo classiques sur l'écran interne ou externe d'ailleurs, mais c'est pas vraiment un téléphone prévu pour ça dans le sens où la batterie va en prendre un coup si on joue à des jeux gourmands. On reparle de la batterie juste après, mais là où c'est sympa niveau jeu, c'est qu'on a quelques petits jeux préinstallés qui vont tirer profit de l'écran externe, soit des jeux où on vient juste sauter avec un personnage, ou encore des jeux avec des balles à diriger en l'inclinant, et ça sera plus agréable à jouer pour faire passer le temps dans une salle d'attente. Or c'était aussi mon premier Motorola au passage et j'étais agréablement surpris de l'interface de MIUI 6 tournant sur Android 13. Alors ici j'utilise une version chinoise qui sera peut-être un peu différente de la vôtre si vous décidez de l'acheter, mais on a pas mal d'options de personnalisation, des gestes pour lancer des applications rapidement en tapant deux fois au dos, ou encore en secouant le téléphone pour lancer l'appareil photo, ou même en faisant deux mouvements de karaté comme ils disent pour allumer la torche. Tout est clairement indiqué et on est guidé pour ne pas passer à côté des fonctions. La marque promet 3 ans de mise à jour Android majeur. Pour l'autonomie, un point qui peut vite être un souci sur un smartphone pliant, le téléphone est équipé d'une batterie de 3800 mAh et d'une charge rapide de 30 watts en filaire et de 5 watts en sans fil. À l'usage, tient au moins la journée complète tout en gardant encore 15-20% de batterie le soir, mais il faut plutôt compter que c'est un téléphone qu'on va venir recharger souvent, chaque jour ou presque. Pour le temps de charge, il faut compter environ 1h30 pour faire une charge complète. Le mieux étant d'utiliser l'écran externe le plus souvent possible, ce qui va permettre d'utiliser moins d'énergie et de préserver la batterie au passage. Pour la partie photo-vidéo qui est aussi importante sur ce type de téléphone, vu que c'est un des avantages, c'est de pouvoir utiliser les capteurs principaux au lieu du capteur selfie pour tout ce qui est prise de vidéo face caméra ou de selfie, et surtout d'avoir un retour vidéo. Ici on aura un capteur ultra grand angle de 13 mégapixels et un capteur grand angle de 12 mégapixels, et ce qui est bien c'est que ça fonctionne aussi dans d'autres applications comme Instagram ou TikTok, donc pour quelqu'un qui en fait beaucoup, ici on aura une bien meilleure qualité qu'un capteur selfie lambda. On pourra se voir et on pourra le poser facilement où on le souhaite pour filmer à l'horizontale ou à la verticale. Le retour vidéo peut aussi être utile en photo si vous photographiez quelqu'un qui a tendance à ne pas être content du résultat des portraits, au moins ils peuvent se voir directement, et on a aussi un mode animation qui pourra capter l'attention des bébés ou des enfants, ce qui n'est pas toujours évident en fonction des cas. Alors c'est sûr que la qualité sera pas au même niveau qu'un smartphone classique équivalent sur cette gamme de prix, pour être autour des 1200 €, on a de très bons photophones équipés de plusieurs téléobjectifs et qui seront bien meilleurs sur la photo ou la prise de vidéo, et sur les autres points au passage d'ailleurs, mais ça sera la même chose avec n'importe quel téléphone de ce type pour le moment. Ici on peut zoomer dans l'image pour utiliser le zoom numérique en x2 par exemple, mais le résultat n'est pas vraiment convaincant. Pour faire des photos souvenirs de vacances et poster sur les réseaux sociaux, ça suffit largement. On pourra aussi profiter de le poser facilement quelque part pour se passer de trépied. En fonction des cas, ça peut être bien pratique pour faire un timelapse par exemple. Et si on prend le temps de retoucher les photos sur Lightroom ou Snapseed avant de partager, on peut en sortir de bons résultats. Et en vidéo, on pourra filmer jusqu'en 4K 30 fps avec l'image stabilisée. Voici un exemple de ce que donne la qualité du capteur principal. Donc l'intérêt ici, c'est de pouvoir finalement se voir et se filmer. Donc quand on vlog, on fait ce genre de choses, c'est bien pratique. Ici, je serai donc au format vertical. Donc là, quand on est au format horizontal, on a deux bandes en haut et à droite, mais on voit très bien si on est cadré ou pas et si on fait l'horizon correctement ou ce genre de choses. Côté tarif, il est sorti à 1200 € en France il y a un mois. J'ai vu sur le site de la marque qu'il était déjà disponible à 1139 € en ce moment. Dans mon cas, je l'ai acheté sur le site Trading Shenzhen. C'est donc un modèle chinois que j'ai importé et on le trouve à moins de 900 € dans cette version 8256. Sur le site, on a aussi accès aux versions 12256 et 12512 qui ne sont pas vendues globalement. En version import, par contre, il est disponible qu'en anglais.
Le français n'est pas dispo dessus, mais il a bien toutes les bandes 4G, le Google Play Store a été rajouté. Moi, je l'ai acheté chez eux déjà car le site est fiable et que j'ai jamais eu de souci avec eux, mais surtout, ils me permettent de l'acheter avec une réduction, ça me permet de dépenser moins d'argent que si j'allais sur un site lambda, et je pourrais ensuite le conserver pour le comparer avec d'autres modèles de la sorte. Car si vous suivez un peu les sorties des différentes marques, vous savez probablement que la semaine prochaine, Samsung dévoilera de nouveaux modèles, et notamment le Flip 5, et la question est de savoir si ce smartphone aura lui aussi un plus grand écran ou pas. À l'heure où je sors cette vidéo, c'est pour moi le meilleur flip phone car son écran externe lui permet d'être vraiment utile. On n'est pas obligé de l'ouvrir pour lire ses mails, regarder ses notifications. On a aussi les fonctions habituelles sur ce type de smartphone qui se voient améliorées. On se voit mieux dans l'écran de retour. On peut s'éloigner un peu plus si on l'utilise posé quelque part. Et en plus de ça, on a de bonnes performances. L'écran interne est aussi agréable à utiliser. On a un beau design. J'aime vraiment cette couleur magenta. Par contre, je dirais qu'il vaudrait mieux attendre quelques jours avant de sauter le pas et voir ce que propose Samsung pour le Flip 5 et à quel prix pour vraiment comparer les deux si on souhaite passer sur un téléphone de la sorte. Bien entendu que pour le même montant, on pourrait avoir un smartphone normal qui serait bien meilleur sur tous les points, autonomie, photo, etc. Mais on n'aura pas la même expérience d'utilisation. Voilà, alors comme je vous le disais, je vais garder ce téléphone encore un petit peu de temps, donc si vous avez des questions en particulier dessus, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de ces téléphones de façon générale, et on se voit très bientôt.